Donc l'accouplement, un homme, une femme se met ensemble. Mais où ils se mettent ensemble? Oui? Ils font rapport. Très bien, ils font rapport. Le défi ici, c'est d'abord permettre aux apprenants de pouvoir parler de la sexualité sans tabou d'abord. Parce que dans plein de familles aujourd'hui, le père ou la mère ne peut pas s'asseoir devant sa fille pour lui expliquer réellement ce que ses organes servent. Donc c'est un sujet tabou. C'est un programme qui permet aux adolescents et jeunes de jouir pleinement de leurs droits en santé sexuelle de la reproduction. Et donc il s'agit dans ce programme de leur apporter l'information, la bonne information concernant la santé sexuelle de la reproduction. Quand les filles tombent enceintes, certaines arrivent à reprendre le chemin de l'école, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas et certaines sont stigmatisées. Sont stigmatisées avec la moquerie de leurs copines, et par-ci, par-là, elles n'ont plus envie. Schéma 2, ok? En premier résultat, il s'agit de renforcer les capacités des éducateurs à pouvoir dispenser tout ce qui est éducation complète à la sexualité. On a eu à parler beaucoup de l'assistance des adolescents, de ne pas les stigmatiser, de les assister en cas de difficulté et puis de les amener à adopter des comportements responsables et tout ça. Infection, tu as dit là, gonococcie, tout ça là. Est-ce que quand on a ça là, quand on n'a pas bien traité là, est-ce qu'on peut faire enfant? Pour les filles non scolarisées, qui est la cible principale de Ado Avance Ensemble, nous avons opté comme stratégie, nous appuyer aussi sur les influenceurs communautaires. La session d'aujourd'hui portait sur les grossesses non désirées et les grossesses précoces. Ces sessions sont vraiment très importantes. On leur a demandé à quel moment on peut avoir une grossesse. D'autres ont dit 15 ans. On a vu que vraiment, c'est vraiment très important de leur dire qu'à 15 ans, ce n'est pas possible de faire un enfant. Tu n'es pas encore prêt. Triple. C'est bon? Back.